Hey, bienvenue à tous, bienvenue sur cette petite vidéo un peu particulière. Plus de 150 abonnés sur la chaîne, donc déjà merci pour ça. L'idée évidemment de cette chaîne, c'est toujours de vous apporter du contenu qui accompagne les cours, qui vous permette en amont à la maison ou ailleurs de travailler ce qui va se faire en classe, en autonomie, à votre rythme ou en période de révision. Je suis toujours ouvert aux suggestions, ça va de soi, pour améliorer la chaîne ou autre, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner pour vous tenir au courant du contenu que pas annoncé en classe. Donc comme promis, petite technique dans cette vidéo, on va voir comment réussir à manger un carré de chocolat gratuitement, c'est-à-dire qu'à partir d'une tablette classique, on va manger du chocolat sans entamer la tablette. Alors pour cela, il me faut une tablette de chocolat. Placement de produit, et hop, une tablette de Milka. À l'intérieur de cette tablette, du chocolat normal, comme ceci, hop. Et donc l'idée toute simple, c'est de faire disparaître un carré de chocolat, mais pas du tout comme sur l'image, justement. Alors pourquoi ici? Parce qu'en fait, c'est lié aux maths. C'est d'ailleurs lié à ce qu'on appelle le paradoxe du carré manquant. Pas mal de problèmes y font référence. Un exemple sur le côté, justement, vous avez un triangle rectangle qui est découpé en quatre morceaux. Donc vous faites tourner les pièces, vous les bougez d'une certaine manière et en les plaçant d'une certaine manière, a priori, il y a un trou qui apparaît. Un peu étrange, en version GIF, peut-être un tout petit peu plus parlante, ça peut donner ceci. Donc vous avez votre triangle, donc vous bougez les pièces, et là, votre triangle de base, dans l'autre sens, un carré apparaît. Donc c'est pas le seul problème qui illustre ce entre guillemets phénomène. Il y a d'autres figures qui y font référence. Je pense en particulier à cette figure où on part d'un carré de 8 sur 8 et en décalant les pièces, on arrive à, plutôt que d'avoir 64 unités, 65 ou alors 63. N'hésitez pas à faire pause pour faire le comptage hein, qui est plutôt rapide. Il y a un souci, un paradoxe. Je pense également à cette figure, vous partez d'un carré avec 4 pièces différentes, ils ont marqué les points, les coins plutôt avec des petits carrés pour qu'on se repère. Il y a un carré central orange, or quand vous bougez les pièces, bah, le carré orange disparaît, alors que l'air a priori n'a pas changé. C'est le même paradoxe. Donc concrètement, bon, mathématiquement ça donne ça. Et niveau chocolat, ça donne quoi? Et bien niveau chocolat, concrètement, c'est parti pour la petite démo. Donc ma tablette que j'ai déjà prédécoupée, hein. Donc vous avez une tablette 2000K comme convenu, qui fait 4 sur 6. Il suffit de la découper comme ceci. Donc un trait de biais, un trait horizontal et votre carré. Donc du coup, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 morceaux. Un morceau ici, un morceau ici, un morceau là et évidemment votre carré. Et là, vous opérez un glissement de la pièce du haut vers le bas. Prenez la pièce du bas que vous reportez en haut et votre tablette est intacte. Et puis le carré gratuit quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon appétit.